sais, aujourd'hui je vais parler de Devil May Cry 2. Comme vous avez pu voir, j'ai aucun watch-out de Devil May Cry 2. Et il y a une raison. Faut, je me suis dit, faut bien que j'en parle. Parce que j'ai pas. J'ai fait des watch-out de toute la série. Mais pas de celui-là. Bon, je vais vous laisser avec l'intro. Bon, puis c'est pas bien que je vais vous parler de Devil May Cry 2, il est vraiment mauvais. C'est vraiment le plus mauvais de la série. L'histoire se passe après le 4, l'ordre chronologique de Devil May Cry c'est 3-1-4-2, alors c'est le dernier d'une manière. Et il pourrait pas faire de suite vraiment, ça serait dégueulasse. En tout cas, s'ils font une suite avec un bon gameplay, mais vraiment dans celui-là, c'est l'histoire, le gameplay, tout est à chier. Les cinématiques, les graphiques sont à peu près comme le 1. Comme vous voyez, c'est le Devil May Cry que j'ai le moins d'heures dessus. Musique de jeu de NES. 18 missions au total. Bon, pour vous montrer en action c'est quoi, de quoi ça a l'air le jeu. Et en même temps vous montrer la première cinématique. On voit Dante, on dirait qu'il revient d'un enterrement. In a time long since past. In an age of darkness, when the earth was overrun with demons. And humans were powerless under their rule. Humanity's hope lived in a demon named Sparda. With a spirit unlike any other, and wielding the sword that bore his own name, Sparda eradicated the demons.
Comme vous voyez, pas de petite joke à rien, Dante est rendu légume. Deal next time, son of Sparta. Bon, ça, on va skipper ça, c'est trop long. Pour rien. Bon, question mouvement. Il y a ça maintenant. Que vous allez utiliser souvent. Marcher sur les murs, mais dans le 3, ça a apparu. De nouveau. Avec le style Trickster. Il n'y a pas de style encore. Question arme à feu. Ebony et Ivory tire 20 fois plus lentement. Ils sont pas si fortes que ça. Une P5K. Personnellement, je me sers presque juste de ça. Shotgun qui sert à rien. Ouais, puis la bascule. Sinon, les combos. Vous l'avez bien vu? Ben, c'est un des seuls combos que vous aurez. Le Stinger fait pitié. Avouez que ça fait pitié. Surtout que le Stinger est supposé être un des mouvements les plus rapides des DMC, qui sert à se rapprocher de l'ennemi plus qu'à blesser. C'est sûr qu'on se rapproche d'un ennemi à 10 mètres facilement avec ça. Est-ce que c'est le fun? Bon. Sinon, Dante saute plus haut que dans les autres. Ça, c'est pas vraiment un défaut. Bon, sinon, arme. Sword. Il y a 3 épées. Rébellion, épée de base de Dante, longue épée fine et à grande allonge. Elle est un petit peu plus longue que Rébellion. Différence, elle est plus rapide. Elle a un mouvement de plus. Sinon, petite affaire plus rapide puis elle attaque moins fort. Polygon. Vendetta. La plus courte des épées. Cette affaire plus lente. Mais elle tape plus fort. Fait que dans le fond, Rébellion reste la meilleure arme. Alors la première arme du jeu est votre meilleure arme. Il y a un auto-aim maintenant sur les ennemis. Vous voyez, c'est très dur de faire des combos parce que les ennemis meurent facilement et les combos sont vraiment pas variés. Le jeu est vraiment mort. Je me force à y jouer, là, vraiment. Là. J'ai de la misère.
Voyez, c'est époustouflant les combats. Bon, ça c'est ce que je peux vous dire. Sinon, je vais vous montrer quelques boss pour voir la différence des boss. Des boss avec des combats énergiques. Quit the mission. Les combats de boss étaient énergiques dans toutes les autres Devil May Cry, malgré que celui-là du 4 c'était bof. Si je me rappelle bien, c'est à la mission 7 il y a un boss. Trop de munitions. Alors c'est la 8. Vous allez voir là, c'est époustouflant comme combat. Ouh, attention, un minotaure en feu. Avec un marteau. Bon. Vous voyez comment qu'il frappe. Puisque le jeu n'a pas de combo, devinez qu'est-ce que vous devez faire. Ça! Parce que si vous approchez de lui, il vous envoie l'autre bout de la map tout de suite. Alors la seule option, c'est tirez-y dessus comme un débile! Vous n'avez presque pas d'option corps à corps, frappez dessus. Voler. Bon, là j'ai le Devil Trigger. C'est fou, c'est tellement plaisant. Stinger! Wouhou! Don't worry. Rien, on prend pas d'armes, non, c'est... Non? Ok. On va sauvegarder, au moins je l'ai pas battu pour rien. Si un jour je veux faire le Dante Must Die de ce jeu de merde là... Next mission! Ah! Il y a quelque chose du tout que je veux vous montrer dans cette mission-là, justement. Quelque chose qu'ils ont fait de vraiment débile, c'est plus quelque chose qui me fait rager. Mais en même temps que c'est débile. Caution.
battrai pas contre lui. Je vais lui mettre pas à peine. La seule chose que vous avez à faire, c'est courir! Puis tomber! Normalement, je crois que c'est ici qu'on ramasse Vendetta. La grosse épée. Ok. La lave, ça fait pas mal la lave, on peut se promener dedans, ça fait presque rien. Chris, t'es un chasseur de démons, pète-la à la porte. Chris, c'est un coup de pied dedans. Nous, c'est pas où il faut aller, mais pareil. La porte est bien fermée, ben ouvre la colisse. Ce bout là est plaisant. Je vais aller faire Pom Pom Girl jusqu'en haut comme ça. Ya la 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 la. Regardez ça. En sacrement. Je vais aller en haut. Bon, j'arrive au bout que je veux vous parler qui est juste débile. À cause du foutu auto-aim. Vous devez frapper cette petite bulle-là. Là. Ah, ok. Pour celle-là, ça a bien fonctionné. Les ennemis arrivent. Donc vous visez automatiquement vers eux. Vous essayez de frapper la putain de bouboule. Mais vous avez pas le temps de les tuer à la mitraillette de même. Parce que normalement vous l'avez pas la mitraillette. Vous essayez de mettre un ennemi en angle de la petite bouboule. Comme là. Parce que l'auto-aim fonctionne même à l'épée. Non, pas par là. Non, pas par là. Maudit jeu. Ah. Ok. Bon, c'est la seule chose que j'ai à vous montrer dans cette mission-là. Alors, I quit. The fucking mission de babouche. Sinon, il y a 18 missions totales et je vais déjà aller à la dernière mission pour vous montrer le boss final. C'est incroyable, c'est la seule chose qui a été travaillée du jeu. Non, c'est pas vrai. C'est une grosse mort. Comme ils avaient plus d'idées comme boss final, non, non, qui t'ouvre pas, c'est pas elle. Que tu me parles, je suis muet, Calis. Created by Arius,
I could become a monster and attack the humans at any time. Now, kill me. It's your job to hunt devils. Ouh, un gros portail, un meneur d'enfer. Et là, je parle du vrai enfer, hein, pas juste une copie là. What? The ritual was incomplete. But the door to the demon world is... Wait. What are you doing? Il a parlé, hostie! Once you enter the demon world, you may never be able to return. I'll go. Non, ça c'est vrai, t'as aucune valeur. You don't need to worry. Ok, pas pour toi, Chris. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry. But... Let's leave it to fate. Heads, I go. Tails, you go. See you around. Don't you want to hear the story about Sparta from my team? I know. He did the same thing. Hold on to my coin, Lucia. Oh, c'est pas c'est quoi cette pièce-là, de qu'est-ce qu'elle a de si important. On l'a su dans aucun jeu, alors... Nowhere dans celui-là, il devient maniaque depuis ou face. Bon, on commence. Êtes-vous prêt à voir le dernier boss? Juste pour vous rappeler, dans le 1, c'est Mundus. Dans le 3, c'est Virgil, combo épique. Dans le 4, c'est le Savior, qui était le plus à chier après celui-là. Et dans DMC Devil May Cry, c'est encore Virgil. Dans tous les Devil May Cry, il y a eu des boss quand même épiques. Toujours un boss qui était plaisant à battre. Dans le 1, on pourrait dire que c'est Nello Angelo. Dans... le 3, Virgil. Dans le 4, Dante. Et dans celui-là, c'est vraiment... aucun boss est plaisant à battre. Ils sont ennuyeux, tous. Sans exception. Mais tellement qu'il n'y avait pas d'idée. Ils ont juste pris tous les boss que t'as battus jusqu'à maintenant dans un gros tas de marde, puis ils ont rien que fait sortir la tête. Ouais! Le Griffon, Goma, pas Goma, comment qu'elle s'appelle? Phantom. Désolé, je me suis trompé avec Zelda. Puis les boss de Devil May Cry 2, dans un gros tas de marde comme ça. Tu restes comme ça parce que tu peux pas t'approcher, parce que sinon t'en revoles. Et tu tires ces 6 barres de vie. C'est comme ça. C'est... Ouais, ouais. Ça, c'est le Minotaure de tout à l'heure, là. Vous pouvez pas vous approcher d'eux, alors... vous restez hors de portée. Vous tirez. Waouh! Les combos sont vraiment en valeur. C'est fou comme je m'amuse! Ah, je viens de remarquer qu'il disait son nom en dessous. Argosax de Chaos. Merde de Chaos.
Bon, ben, pas long, le Minotaure devrait mourir. Ah, comme je le disais, il est mort. Et là, il y a la grosse tentacule, qui est un des boss du 2. Encore un boss qui peut pas vous toucher, mais qui vous spam à mort si vous vous approchez. Alors dans le fond, la raison pour que j'ai pas fait de Wall Choke de Devil May Cry 2, c'est juste parce que j'ai pas eu le courage, parce que je l'ai fait une fois. Et je préférais me faire péter les couilles avec un marteau que de le refaire. Il y a le Phantom, oui Phantom, comme dans le 1, là, la grosse araignée qui pitch feu. On va battre comme ça pour aller un petit peu plus vite. Et c'est un concours de spam. Va chier. Laisse-moi le temps de m'enlever. Quoique quand tu me frappes, ma jauge de Devil Trigger monte plus vite, alors je peux le refaire. Vous voyez, vous vous faites spammer à mort si vous approchez l'ennemi. Alors, aucun moyen de vous approcher et de frapper cette merde au corps à corps. Je vais essayer de m'approcher. Je crois que ça baisse plus vite de même. C'est fou, j'adore me faire spammer. Bon, il ne reste plus que deux parties. Non, il reste encore celle-là, encore ici. Bon, tu mortes là? Ouais, pour de vrai, là. Bon. Il reste le griffon. On peut spammer d'ici. Je vais tirer avec Ebony et Ivory, mais... pas encore plus là. C'est fou comme les boss demandent du challenge. Parce que Dante a fait une balle. Hein? Et là, vous allez vous demander pourquoi je garde mon Devil Trigger.
parce que je vais battre le restant comme ça au lieu d'aller plus vite et de le battre, mais c'est parce que cette merde a une autre forme après. Ouais, une autre forme. Va-t-elle être pire? Va-t-elle être moins pire? Va-t-elle être égale? Vous allez le savoir dans pas longtemps. À peu près une minute. Peut-être plus. Après, je peux toujours vérifier si j'ai des objets. Items. Non. Ouais, je pense que je pourrais quasiment me mettre un petit film là, en attendant. Là. Peut-être m'ouvrir une bière aussi. Finalement, elle m'avait trompé, ce sera peut-être pas une minute, ça va peut-être être 20. Ah, et puis je t'en ai. Bon, moi, ça va avoir baissé un petit peu. Je vais toujours essayer. Et c'est quoi qui va sortir de cette grosse merde là? Hein, hein, Mundus, Virgil? La petite boule rose de Zelda? Un phoenix? Une affaire qui avait des totons qui est plus de totons. C'est le premier boss qui vous attaque. Pour de vrai. Sans juste spammer. Et j'ai presque plus de vie. Alors je crois que je vais mourir. Je vous le disais, je suis mort. Ah, puis j'avais pas d'orbe jaune. Ça c'est plaisant, Chris. Bon, moi je recommence plein de vie avec Devil Trigger. Bon, ça fait rien. Ah, c'est transformé de nouveau en Cheeks avec une fouette. Pourquoi tout le temps les filles ont tout le temps des fouettes? Ah, non, je sais pas. Hey, êtes-vous prêts dans pas long la cinématique finale? Pluie de fléchettes. Ben, il s'est transformé en Chicks là. Attention. Ça y est, je pense qu'il est redevenu douchebag. Ah non. Ouais, douchebag. C'est le temps de frapper. Lui, il y a un stinger!
Attention, attention là, on va avoir une cinématique épique. Attention, je vais faire un stinger. Non, finalement, je vais juste courir dessus comme un mongol. Puis je vais te manquer. Oh, oh, oh. Hein? Il est payé dans les airs. Lui, il est rendu où? On est dans une place vide. Pourquoi je le trouve pas? Ben, parce qu'il est dans Yama. Attention, je t'ai juste tiré 2000 balles d'MP5 tout à l'heure, mais une balle, ça va suffire pour te tuer. Même pas de petit jackpot. Boum. Non, juste mouche smile puis part. Part. Fini. Puis j'ai trouvé une moto. Je sais pas d'où ça sort, mais j'ai trouvé une moto. Yeah. Let's go all the way to hell. Et le jeu finit de même. Non, vraiment. La seule raison pourquoi j'ai Devil May Cry 2, c'est parce que j'ai acheté le HD Collection. Et vraiment, ceux-là qui l'ont acheté à sa sortie se sont fait enculer profondément. C'est tout ce que je peux dire sur Devil May Cry 2 et il n'y a rien de positif. Je peux rien dire de positif. Le jeu est carrément ennuyant. Je pourrais passer une semaine à chioler après. Mais je pense que 36 minutes, ça suffit. Alors, abonnez-vous, likez. Si vous avez aimé ça, que je critique un jeu, donnez-moi des idées de jeux que je pourrais critiquer sur la 360. Ou sur les vieilles consoles. Parce que j'ai seulement HDP VR 2, alors je peux seulement enregistrer sur 360. J'ai pas de PS3. Et sinon, ben, je peux faire des jeux PC. Ben, des jeux sur mon PC, sur émulateur. Merci, n'oubliez pas de vous abonner.